7h58, elles viennent de rentrer dans ce studio, les ministres de la Transition écologique et de la Transition énergétique, Amélie de Montchalin, Agnès Pannier-Runacher. Oui, on est revenu ce matin parce qu'on en a assez qu'on mette en doute nos compétences en économie. Non, c'est écologie. Ah oui, je sais, c'est l'habitude. Oui. Non, mais on est tout à fait capable de gérer le dossier environnemental. Ouais, surtout que maintenant, on est deux. Ça, c'est la magie. Et deux pour faire le boulot de Barbara Popili, donc on est deux de plus. Hein. Ouais, ouais, et en plus, nous, on est très fortes en économie. Non, c'est l'écologie. Ah oui, c'est l'écologie. Oui, l'écologie. Oui. Alors, moi, l'écologie, j'ai ça dans le sang. Ah oui. Parce qu'il y a 15 ans, je connaissais par cœur toutes les chansons du groupe Trio. Ah ouais, faut arrêter de s'en prendre à Amélie parce qu'elle a voté contre l'interdiction du glyphosate. C'est vrai, ça, parce que je ne parle rien si à l'époque je ne savais même pas ce que c'était. C'est moi qui lui ai expliqué que c'est un booster pour upgrader les végétaux. Ouais, les plantes doivent adopter un mindset d'entrepreneur, elles aussi, comme les animaux. Ouais, les ours polaires qui se plaignent, il n'y a plus de banquise. Faut pas rester comme ça, les ours. Faut la créer, la banquise, elle ne va pas se faire toute seule. Il faut être proactif, les ours. Ouais, alors, pour provoquer des synergies. Ouais, perso, on m'a pitché les différents process du réchauffement climatique en mode fast learning. Bah, c'est pas bien compliqué. Et tiens, au fait, t'as reçu le mail de Greenpeace? Non, moi, tu sais, j'ai pas trop le temps pour les festivals de musique. Ah, c'est un festival Greenpeace, en fait? Bah, je crois, non. Ouais. Il disait quoi, le mail? Ah bah, j'ai pas ouvert le mail, ça pollue les mails, tu sais. À cause de ça, on déforeste l'Amazonie. Ah ouais, le pire, c'est les mails avec les rapports du GIEC. Tu as lu ça, hein? Du GIEC, c'est quoi? C'est une crêperie bretonne? Non, c'est le truc des hippies, là, sur la météo. Ah oui, ils nous envoient des rapports qui pèsent des tonnes. Ah ouais. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, surtout. Ah bah, moi, c'est terminé. Moi, j'ai télécharge même plus leur truc. Tu loupes rien, c'est toujours la même chose. Hein. On va tous mourir, c'est la faute du capitalisme. Dominique Sue au bûcher, blablabla. De toute façon, on n'est pas venu pour parler de ça. Non, on est là pour dire stop aux fausses solutions. Voilà. Moi, sur ma terrasse, j'ai fait installer un cadran solaire. Bah, ça marche pas. Non, c'est les panneaux solaires qu'il faut mettre. C'est les panneaux. Non, un cadran solaire, bah, ça produit zéro électricité. Ça fait juste de l'ombre sur les chiffres. C'est nul. C'est comme les grands ventilateurs qu'il y a dans les champs, là. Et ça tourne pas assez vite pour rafraîchir l'atmosphère. C'est petits gestes qui sont importants. Bah oui. Bravo Thomas Legrand qui recycle ses vieux pulls depuis 1984. Ça, c'est super, Thomas. Et même à nous, à Emmanuel Macron, il a dit quoi? Ah oui, à Macron. Et nous, il nous a bien dit qu'il fallait faire des écologies de CO2. Non, des économies de CO2. Ah ben, faudrait savoir. Hein. Ah ben, il nous a dit, pour expulser le moins de CO2 possible dans l'air, ce serait mieux qu'on parle le moins possible. Merci à tous les deux.